al hun wegbrug hebt herhaald. We hebben zich de laatste maanden ontwikkeld, dat willen we graag zien. De weg aangeboden door bouwbedrijf Zwart. Al meer dan 120 jaar is bouwbedrijf Zwart de veelzijdige aannemer. Bouwbedrijf Zwart realiseert bouwprojecten van ontwerp tot oplevering, zowel voor woningbouw, utiliteitsbouw als projectontwikkeling. Al die gaat om nieuwbouw, renovatie, verbouw of restauratie. Wij staan garant voor een hoge kwaliteit, want vakmanschap is het hart van ons bedrijf. Juryleden gaan aanstonds hun plaatsen innemen, terwijl wij nog even genieten van beelden in 2022. Beelden gemaakt door het team van Omroep Friesland. Ja, weer 13 jaar de hengstverkeuring in beeldbrengen. Nog even zo lekker weer wat muziek van de firma Koopmans. Doen we nog even meer mensen? Il est 1 heure, la musique commence à s'abaisser parce qu'il y a des jeunes étalons qui vont rentrer dans la piste et on ne peut pas augmenter le 100 décibels parce que c'est important pour dans l'intérêt des étalons. Et on peut avoir l'impression dans les tribunes que la musique est plus forte, mais en fait, c'est parce que la musique est dirigée vers les tribunes et non pas sur la piste où, pour les chevaux, le nombre de décibels n'est pas si élevé. Cette coupe sera... Et les distinctions seront... sont remises par les jeunes KPFS et Diane Postema. Donc là, on arrive avec le premier... avec le premier étalon Elger 536, triple A, 7 ans. Et l'éleveur, c'est à Baumann-Manès et la propriété de la famille Age Okema à Sifferswoude. Il est descendant de Nan 492, Kister préférence 7 étoiles et Prestige 4 étoiles, Olof 315 et Ster Dirk 298 et Hoepke 266. Il a été admis dans le registre des studbook en automne 2023. En sport, il a le prédicat M2 et en attelage, il a limite classe.
Bien avant qu'il a été approuvé en tant qu'étalon reproducteur, il a déjà montré qu'il était très fort en attelage. Et lors de l'examen central, on a surtout remarqué qu'il a des caractéristiques bien typiques de la race et qu'il est bien impressionnant en tant que une présentation bien impressionnante en tant qu'étalon, avec une longue crinière et que surtout il obtient des très beaux résultats en selle. Et il a par exemple eu un 8 pour le pas et un 8,5 pour le galop. À côté de son pas bien défini et bien large et un galop bien puissant, Elger 536 a un caractère très attentif et gentil, et il a une bonne attitude et il a vraiment envie de travailler. Et un autre fait qui est très caractéristique pour lui, c'est qu'il est assez imperturbable à ce qui se passe autour de lui. La mère de Elger est Esther Preferent Prestati, et c'est un jument qui est très fertile. Elle a 19 ans. Elle a mis 11 poulains sur ce monde. 7 parmi eux ont eu le prédicat étoile et elle a une fille modèle. Elger est issu de la pédigrée 30 et il est le troisième fils de Nan 492 qui a été approuvé. C'était Elger. Maintenant, on veut voir Egep 537, triple A. Il a 5 ans. L'éleveur, c'est Lopers à Altefeer. Le propriétaire, Stutterij Bommelstein à Huskerhorn. Fils de Alvin 469, étoile double A. Pierre 448. Il était approuvé en automne 2023. Il a fait des très bonnes. Il était le meilleur quant à ses différentes prestations dans la QV 2023. Il a eu un triple A pour les trois composantes. Et il a eu un score total de 89,5 en selle et il est monté jusqu'à 93,5 pour l'attelage. Lors de l'examen central, il a obtenu un 9 pour le trot et pour les tests en harnais et en attelage, ils ont mentionné surtout ses jambes antérieures et l'utilisation de ses jambes postérieures étaient excellentes. Il a obtenu un score de 9. Et en plus, Jep 537 a effectué tout le travail avec beaucoup d'aisance. C'est notamment son trot qui est remarquable, très léger et avec une levée de genoux avant bien passée. Et il arrive à faire des passages, des transitions très, très aisément. Il est très entreprenant et attentif, honnête et collabore et il aime créer son propre environnement. Son aspect vraiment typique de la race et le fait qu'il soit bâti en remontant, il est aussi longiligne et
il a vraiment envie de travailler, il est très équilibré, il a un usage très raffiné de son corps. On va continuer avec Nick, 5 truies, 8 triple A, 4. Il est propriétaire et éleveur, c'est la famille Tank à Fraander. Il est fils de Tide 5, le 1 modèle sport double A, Bartles 72 et Ster Folcott 353. Et l'un des premiers fils de Tide qui ont réussi à avoir leur brevet de saillie. Il vient dans la pédigrée 5 qui, dans lequel il sort beaucoup des talons reproducteurs. Et son mère, c'est un modèle sport double A et qui est 7-1 en dressage. Link 538, elle a beaucoup de caractéristiques de la race avec et il a une présence bien marquée et il est monté en remontant, bâti en remontant. Il est comme caractère, il est poli, intelligent et il aime qu'on s'occupe de lui. Travailler pour lui est un véritable plaisir. Et il met beaucoup du sien, et bien qu'il soit encore assez jeune, il savait néanmoins d'obtenir un triple score pour deux composantes. Son test d'attelage a été un succès, il a eu un score de 83 points, et il a obtenu un 8 pour son usage de ses membres, aussi bien postérieurs qu'antérieurs. Sous celle, il a obtenu 82 points et un 8 pour le pas. Triple à Nick 5-3-8.
Dan zwart Hunnik sponsor. En dan brengt de visuele Lijster Martinez weg de Lijster. On va arriver dans la piste Martinus Triple A. Le propriétaire et éleveur, c'est la famille Notenbomschot à Velgesoord et également H. Eppingra à Oudemeer. Père Tide 501, le Ster Sipke 405 et Ster Heinz 354. Et il a été approuvé en automne 2023. Donc, avec, ensemble avec Martinus 534, Martinus 534 a fait ensemble avec Nick, sont des premiers fils de Tied 501 qui ont été approuvés. La mère du père est Sipke 450 et ses fils Fanteide 392 n'a pas eu des fils qui ont été approuvés, mais heureusement il y a maintenant un petit-fils qui a été approuvé. Martinus 539 est vraiment une meilleure image d'un cheval frison all-round. Il a obtenu de 81 jusqu'à 83 points dans toutes ses épreuves. Il a passé pour les différentes composantes. Et la plupart des temps, dans toutes les épreuves, il a eu un 7 au plus haut. Il est naturellement bien équilibré, il a un usage assez affiné de son corps. C'est ce qu'on peut lire dans son rapport d'examen. Il est bon dans les transitions et il a l'usage actif de son jambe antérieure. Martinus se donne beaucoup et il a vraiment envie de travailler. Il a beaucoup de types de races et il est bien bâti. Il a les trois pas de base, il les effectue correctement. Et il est doué pour toutes ces trois disciplines. Ce étalon a un pas fort, montre beaucoup d'équilibre et de souplesse dans la jambe arrière. Et il utilise son corps avec beaucoup d'aisance. C'est un jeune triple à Martinus 539. Maintenant, on rampe sur la piste Meurk 540 triple à 4 ans. Il est élevé par Fleur van de Kemp Rijkenvoort, qui est également la propriétaire de cet étalon, ainsi que Thé de Boer à Sint-Johannes. Fils de Teun 505 et Kroon Doubla à Lodewijk 431 et étoile préférence 5 étoiles Jasper 366. Il a été approuvé en 2023. Il est un des deux premiers fils qui a été approuvé de Teun 505. Et avec trois fois un score de triple A, il a réussi son examen central avec brio. Il a obtenu des scores de 83,5 points sous selle et en attelage.
Sa mère est un crone, jument crone double A, fille de Lodewijk 431, qui est issue de la pédigrée 115 et qui a eu obtenu pour le IBOP un score de 80 points. Il est remarquablement léger dans son trot et il fait des très belles transitions. La jambe arrière de Murk est très puissant et actif et il montre un usage magnifique et ample de ses jambes postérieures. Il a une tête noble, il a une allure luxueuse et il est assez fin, il a une allure jeune. Il aime être avec l'humain et il est très sage en étable. Mais aussi assez sensible. Il aime faire de son mieux et il se donne avec plaisir pour travailler. Oui, les étalons, mesdames, messieurs, ils ont réussi, ils ont passé à brio toutes les différentes composantes de la sélection. Ce sont ces étalons qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, on voit Mano 5-4-1 avec un noir, 4 ans. Il est l'éleveur CR à Fabre à Saint-Nicolas-Gia, qui est également le propriétaire avec de Fries de Hindelhoop. Le père, c'est Fong 478 et Ster Preferent 4 étoiles Andries 415 et Ster Brandus 345. Il est ainsi que Mano 541, un des premiers fils de Fonger 478. Sa mère est une jument terre préférente qui est la fille de Andries 415. Mano est bien bâti, d'une façon, il est puissant, avec une ligne de dessus puissante et large. Il a des reins solides. Ses jambes sont secs et musclées. Lors du examen central, il a montré qu'il était un cheval all-round, avec un caractère aimable et sage. Il ne se laisse pas vite impressionner. Il a beaucoup de puissance en lui. Et il montre une vraie volonté de travailler. Et lorsqu'il est en selle, il est réellement attentif à son environnement. Ses trois allures de base sont correctes. Il a un rythme régulier avec suffisamment de technique. Le pas est bon. Le galop est suffisamment montant. Mais dans toutes les allures, il pourrait avoir un peu plus
de suspension et de souplesse. Alors, cette coupe est vous êtes proposé par le encore une fois Mano dans la piste. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sponsor de cet passage, c'est les prises de construction Swart Take à Ofringa. Alors maintenant l'entrée de Menzo 542 triple A. Il est 6-4 ans. Il est éleveur, c'est Stalger de Fleder et qui est aussi le propriétaire avec Charlotte de Bourg à Saint-Johannesca. Fils de Levan 542, modèle sport prestige à Charlotte et aussi petit. Il a été approuvé en 2023. Pour une grande 502, Menzo est la troisième fils approuvé. Menzo est issu de pédigré 50 et sa mère s'appelle Juville H. van Lutke Penium, modèle sport prestati double A, qui est la fille de Charles 454. Dans la ligne maternelle, on trouve beaucoup de sports. Juville est 7-2 dressage, 7-7 en attelage, et elle était championne des juments de reproduction pour le chase. Une demi-sœur de Menzo, qui s'appelle Crystal Jade, fille d'Alvin 469, est devenue champion de réserve dans le Christian Talent Cup. Donc Menzo 542 est issu d'un bon nid et ça se voit. Il a obtenu un triple A trois fois, avec 88,5 points comme meilleur score sous la selle. Et en plus, le trot et le galop sont ses meilleures allures. L'étalon a un équilibre naturel et son usage de son corps est bien équilibré. Il peut faire des belles transitions et l'usage de sa jambe arrière est bien actif. Et l'usage de ses jambes postérieures sont amples et joliment faits. En étable, cette jeune étalon a une tête bien noble et des traits fins. Les membres sont secs et durs. Il est aimable et poli.
Mais lorsqu'il est en cas de situation un peu nouvelle pour lui, il peut montrer un peu d'incertitude. C'est un bon travail à travailler et il a une vraie bonne façon de vouloir se mettre au travail. C'est ainsi que le décrivent le personnel de l'étable et tous ceux qui travaillent avec lui, les cavaliers et les runners. Le dernier dans ces catégories, c'est Menzo 542 triple A. Il a 4 ans. L'éleveur, c'est Stalger d'Afleder, qui est également aussi le propriétaire, ensemble avec Debourg à Saint-Johanniska. Le père est Ulbran 502 et il est pour Ulbran le troisième fils qui a été approuvé. Menzo vient de la lignée 150 et sa mère c'est... je suis en train de me tromper, excusez-moi. On voit Mans 543 double A. Il a 4 ans. Le éleveur c'est Slar Karnebeck Arhor et le propriétaire c'est J. H. van Maanen à Kesteren. Il est fils de Teuns 505. Il est le deuxième fils de Teuns 505 et il est en plus issu d'une ligne très forte de Fangonda et du côté de sa mère. C'est le pédigré de la mère 13 ans. Sa mère qui a 14 ans et c'était à préférence et qui est toujours très actif. Et même sa grand-mère et qui a 19 ans est toujours très en forme et continue à performé. Il est longiligne et bâti en montant avec un ligne de dessus bien puissant. Il est bien proportionné et il a une allure encore jeune. Il est aimable et aime être avec l'homme et en plus il est bien curieux. Dans toutes les disciplines, c'est agréable de travailler avec lui. C'est ainsi que juge le personnel de l'étable, les cavaliers et les runners. La puissance de Mans se trouve surtout dans sa partie d'attendre lorsqu'il est attelé, parce qu'il a obtenu les meilleurs résultats en attelage, lors du test d'attelage. Oui, mon 5-4-3 double A.
Dat waar is de dames en heren? Kom op. Les voici, mesdames, messieurs. Ils vont rentrer dans l'ordre de présentation à nouveau sur la piste. Les jeunes étalons, ils sont magnifiques. On va les mettre en fonction de leur nombre et on va appeler leurs propriétaires et les éleveurs pour les mises en honneur. Ce qui est si fantastique, c'est des visiteurs qui sont venus du monde entier pour assister à cette sélection des étalons. Les voici, les jeunes étalons. Martinez peut venir. J'invite Martinez à venir vers moi et qui se met avant Elgar. Burk veut se mettre derrière Yep, veut se mettre après Yep. Et Manon mag aussi venir vers moi. Et est-ce que les derniers étalons peuvent resserrer un peu les rangs et Mans prend une change d'une place vers l'avant.
les étalons qui marchent devant, est-ce qu'ils peuvent juste ralentir un peu pour que les autres puissent se rejoindre la ligne? Attendez, attendez, attendez devant. Oui, passe en place. Dan even aansluiten en dan controleren we dan even. Mesdames, Messieurs, les jeunes étalons et qui sont que la coupe va être je pense que c'est le gagnant, c'est Jepp Martínez. Et voilà, et ensuite Martínez 5-3-9 et Elger. Troisième place, Meurtl, quatrième, Nick, c'est la cinquième place, Mans, cinquième, le sixième, et Menno, et Mano. Et donc, s'ils sont tous maintenant à leur place, maximum deux propriétaires, deux éleveurs et deux propriétaires. Donc, on veut absolument éviter qu'il y ait des enfants qui viennent. Et on invite les éleveurs à nous rejoindre. Donc, au nom de CAP FPS, les décorations vont être transmises par la société Swart, la société de construction. Et là, nous avons un joli groupe d'étalons, des jeunes étalons qui ont été approuvés en cet automne 2023. Et on fera. Oui, merci Bert. Oui, vraiment un groupe très qualitatif. Les étalons qui font ça pour leur première fois et ils l'ont fait vraiment très bien. Ils ont réussi à se présenter très bien et les différences sont très minimes dans ce groupe. C'est surtout le pas qui a fait la différence dans ce groupe. Parce qu'on était unanime d'accord que ce sera le premier Jepp. Il est en son allure très. Il lève très haut ses jambes. Il est très en montant, surtout avec son couleur. Il a un usage de son corps magnifique. En trop, il est très en équilibre. Et il a réussi à courir dans un rythme très équilibré. Donc la première place bien méritée pour Jepp 5-3-7. Mais il a été bien concurrencé parce que Martínez était très très un étalon qui fait un joli pas avec souplesse et délicatesse et en trop très puissant et une bonne transition. Martínez et après le troisième place, Elger 5-3, c'est une jolie allure, une jolie ligne et joli pas, ample et espace, une jolie usage de ses jambes postérieures, Elger 5-3-6. Il a une tête très jeune. Il fait un trot très léger. Nick 5-3, une tête très caractéristique, jolie en couleur. Et un pas bien déterminé, usage parfait de ses jambes antérieures. Mans.
Mansfield est bien. Il a une jolie technique en trop. Mansfield 5-4-3. Même, en fait, c'est Benzo 5-4-2. C'est un, il a un allure jeune, membre solide et sec. Et il est très léger dans le trot. Il a du mal à être en équilibre, mais les quelques pas qu'il a bien réussi, et c'était très impressionnant. Benzo 5-4-2 et dernier minute, c'est. Die een goede samenleving heeft, die actief en makkelijk start en in draf een heel mooi gebruik van het volgende laat zien. Mano 5-4-1. Il y a une quatrième dans les derniers étalons, je suis désolée. On va décider quels sont les étalons qu'on va amener à l'élection. Donc évidemment, on invite Yep et Martinez, sont tous les deux référé au championnat. Donc, mais la qualité était si importante, si grande, qu'on a décidé de aussi inviter Elger lors de l'élection des champions. Elger bij 6. Murk, c'est Fokker Fleur van Kempen, les propriétaires de Fleur van Kempen et Stal van de Kadaik. Nick, c'est les éleveurs et les propriétaires, c'est la famille Tank de Vaarander. Mans, c'est la famille Slaars en Wals qui sont des éleveurs et les propriétaires, c'est les frères van Maarden. Et donc Mans a changé de propriétaire. Finco Sarco de Mexico qui sera le nouvel propriétaire. Et c'est ainsi qu'il deviendra le compagnon d'étable d'Etmer 519 et Béan 517 et Romot 498 et en fait aussi de Gimte 533 qui reste encore une année aux Pays-Bas. Mans 543 reste encore un peu aux Pays-Bas jusqu'à ce qu'il a eu suffisamment de descendants pour bien assurer l'examen des descendants. Voilà toutes les propriétaires et les éleveurs de ces magnifiques étalons. Alors, merci à l'entreprise de construction Swart et aussi au nom des jeunes de la FPS. Et maintenant, on va encore profiter de ces étalons. Trois étalons vont passer à l'épreuve suivante, à l'examen, au concours de l'étalon, jeune étalon de l'année, et Chrissé à l'étalon général de l'année. Zijn verder Murk, Nick, Mans, Enzo en Manolo.